Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie, il est 20h30, heure locale. Merci pour votre présence, que le Seigneur soit béni pour l'amour de la vérité qui vous anime. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour vos prières, pour vos dons, votre soutien. Et grâce à vos prières, mes amis, l'œuvre que le Seigneur nous a tous confiée avance à grands pas. Et nous croyons, mes amis, que des âmes seront de plus en plus éclairées, libérées à la gloire de notre, pour la gloire de notre Yeshua. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour tous ces hommes et toutes ces femmes, Seigneur, qui sont, Seigneur, assoiffés, qui sont connectés, Seigneur, à toi, qui sont connectés à l'évangile, à la vérité. Nous voulons, Seigneur, notre Père, te dire merci pour ta parole qui nous guérit. Nous voulons te dire merci pour toutes ces délivrances que tu nous accordes. Merci encore pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Père, nous te prions au nom de Yeshua. Amen. Voilà, mes amis, vous avez pu voir le logo, hein, le nouveau jingle de votre nouvelle émission. Il est minuit. Et on va beaucoup parler de la prophétie biblique. On va beaucoup parler du retour du Seigneur. Et on va beaucoup, beaucoup travailler sur la prophétie. Nous sommes dans le livre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, nous lirons le verset à partir du verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. Alors, on va nous mettre l'écran à chaque fois, si c'est possible, hein, de notre site de la BJC. C'est bon? Donc 2 Pierre chapitre 1er. Là c'est le chapitre 2. Chapitre 1er. Voilà. À partir du verset 19. Alors on va lire ce que Pierre a reçu de la part du Seigneur. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc on va monter à chaque fois, s'il vous plaît. Voilà. Donc sachez tout d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. Nous apprenons que ces hommes qui ont parlé bien sûr, ils étaient poussés par le Saint-Esprit, donc ces prophètes, dont nous allons étudier les prophéties. Et on nous dit également que cette prophétie qui a été bien sûr révélée par le Saint-Esprit à ces hommes, ne peut être, n'est-ce pas, interprété d'une manière particulière. Et donc il faut vraiment éviter, ça c'est l'erreur dans laquelle beaucoup peuvent tomber, et de vouloir justement s'attribuer une prophétie, une parole prophétique dans la Bible, hein, de manière personnelle, et, telle que certaines sectes qui malheureusement vont attribuer le passage de Malachie 4 où il est question de l'avènement d'Élie. Hein, ils vont attribuer cette parole prophétique à un prophète qui est déjà mort et créant ainsi une secte. Et voilà, donc il faut vraiment éviter de tomber dans ce piège. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Pierre nous dit justement que nous avons la parole des prophètes. Il est en train d'écrire cette lettre. Il a écrit cette lettre pour rassurer les gens, pour, n'est-ce pas, il le dit lui-même, hein, c'est pour maintenir, garder les chrétiens dans le réveil. Les avertir, n'est-ce pas, des dangers, hein, par rapport aux dangers qui les menaçaient. Et il dit qu'il y a la parole de prophète. Donc on revient sur le verset 19, s'il vous plaît. Nous avons la parole de prophète
qui est très ferme, nous dit Pierre, n'est-ce pas? Donc, c'est comme une richesse. Et il dit, il faut être attentif à cette parole, parce qu'elle est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette lampe est celle qui était alimentée à l'époque par l'huile. Elle n'éclairait pas totalement les maisons, mais si l'on voulait voir un lieu précis de manière distincte, il fallait la prendre avec soi. Donc elle était alimentée par l'huile et il fallait bien sûr, l'huile c'est l'image du Saint-Esprit. Donc Pierre nous apprend ici que la prophétie biblique est cette lampe-là, qui bien sûr ne nous donne pas tout l'éclairage, c'est-à-dire toutes les précisions dont nous avons besoin de A à Z pour connaître totalement l'avenir, mais elle nous donne à peu près à connaître ce qui va se passer, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore révélées. Et d'ailleurs, Paul dit que nous connaissons en partie. Hein? Donc voilà. Et Jean dira par la suite que quand le Seigneur viendra, nous le verrons tel qu'il est. Donc on voit bien que nous avons tous, vous et moi, reçu une partie, n'est-ce pas, de l'illumination et de la révélation, consignée bien sûr dans les Écritures que nous avons entre nos mains. Et beaucoup de choses sont encore, mes amis, cachées et on le saura, on les connaîtra lors du retour du Mashiach. Et là, donc cette lampe justement, cette prophétie biblique, mes amis, nous permet de voir à peu près où nous allons. Et c'est ce que nous allons faire justement en étudiant cette prophétie. On va essayer de comprendre ce qui va se passer, de saisir un peu la pensée du Seigneur par rapport à notre génération, par rapport aux jours à venir. Voilà. Et donc il y a la parole prophétique et justement cette parole prophétique nous donne quand même quelques renseignements. Et hier on a commencé à parler sur le premier cavalier. Donc la prophétie biblique nous parle aussi de l'Antichrist, hein, donc du premier cavalier dont il est question dans le livre de Révélation au chapitre 6. Donc rapidement, on va prendre le livre de Révélation ou encore le livre d'Apocalypse. On va d'abord commencer par le chapitre 4. Voilà. Apocalypse chapitre 4. Et qu'est-ce que nous lisons à partir du verset 1er ? Après ces choses, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Donc une porte qui était ouverte. Le ciel, bien sûr, était fermé. Yeshua est venu, il a ouvert cette porte. Et la première voix que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Donc Jean va recevoir ici l'éclairage concernant l'avenir, n'est-ce pas? Donc sachez que l'avenir de l'humanité, notre avenir était compromis parce que Adam avait chuté. Et là, Jean va être invité par le Seigneur. Et aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ensuite, nous allons dans le chapitre 5. Donc, on va descendre avec le curseur. C'est pas la peine de donner, on va juste descendre avec le curseur, voilà. Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Voilà. Ni de le lire. Hein. Et je pleurais beaucoup, donc je relis. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les sceaux. Rappelez-vous bien ici,
on nous dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Or, par rapport au premier cavalier, on nous dit qu'il sort en vainqueur et il part pour vaincre. Donc, il n'a pas encore vaincu. Et par contre, par rapport à Yeshua, on nous dit qu'il a déjà vaincu. Donc, voyez bien que le premier cavalier n'a rien à voir avec Yeshua, notre Seigneur. Et nous continuons la lecture. Jean pleurait. Il pleurait pourquoi? Parce que, justement, comme je vous l'ai dit hier, il a pleuré. Il pleurait parce que il s'est rendu compte que ce livre dans lequel était consigné l'avenir de l'humanité ne pouvait être lu, ne pouvait être ouvert. Donc, cela revenait à dire que notre avenir était bien sûr incertain. Notre vie même, mes amis, était, comment dire, la vie éternelle nous était carrément inaccessible parce que justement ce livre ne pouvait pas être ouvert. Et Jean voulait connaître l'avenir justement parce on l'a invité au ciel pour lui montrer les choses à venir. Et il arrive là-bas et il apprend que le livre qui contient l'avenir ne peut être ouvert. Alors, bien évidemment, il va pleurer et il va être rassuré par un ancien qui lui dira que le lion de la tribu de Juda avait vaincu et c'est lui qui était digne de pouvoir ouvrir ce livre. Alors, ce livre scellé n'est autre que le livre de Daniel, n'est-ce pas? En fait, c'est le prophète Daniel qui avait scellé ce livre, pardon. Parce que si ce livre était scellé, c'est que quelqu'un l'avait fait. Et ce quelqu'un, bien sûr, c'est Daniel. Et nous sommes dans Daniel rapidement. On va revenir sur Apocalypse 6, mais allons voir Daniel chapitre 12. Voilà, Daniel 12. Et on va lire à partir du verset 6, je crois. Voilà, Daniel. Voilà, à partir du verset 4. Et qu'est-ce qu'on apprend? Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Voilà, donc on apprend ici que Daniel avait reçu l'ordre de tenir secret, donc de garder secrètes les choses qu'il avait vues, donc les paroles qui lui avaient été données, également de sceller ce livre. Donc ce livre contenait des paroles que Daniel avait reçues. Et il voulait le lire, ce livre. Il voulait le partager autour de lui. Et l'ange que Dieu lui avait envoyé lui dira, non, Daniel, ces paroles doivent être gardées secrètes. Et le livre scellé. Et ce livre a été scellé de 7 sceaux. Pourquoi les sept? 7 sceaux, pourquoi 7? On sait tous que le chiffre 7 est le nombre de la perfection, le chiffre de la perfection. Donc, ça veut dire que ce livre était tellement scellé que personne d'autre, à part Dieu lui-même, ne pouvait l'ouvrir. Et ce livre contenait bien sûr les choses de l'humanité, l'avenir de l'humanité. Et on va plus loin, toujours dans Daniel chapitre 12, plus loin. Et on va descendre un peu. Voilà. Et on remonte un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, encore un tout petit peu, encore au verset 15, si je me trompe, voilà, c'est ça. Verset, on remonte encore un tout petit peu, les amis. Voilà, là, c'est bon. Et au verset 8, il est dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Voilà, jusqu'au temps de la fin. On va plus loin, au verset 10, et qu'est-ce qu'on apprend? Au temps de la fin, c'est comme si l'ange disait à Daniel, eh bien, au temps de la fin, ce livre sera, pardon, ouvert, et plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs vont courir ici et là, d'accord? Ils vont courir ici et là, c'est-à-dire, comme c'est des rouleaux, en fait, ils vont courir ici et là, ce livre sera littéralement déroulé. Et plusieurs, en le lisant, ils vont avoir beaucoup de connaissances. Leur connaissance va augmenter. Voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer avec notre frère Jean. Il va pleurer, comme on l'a vu, donc on revient sur Apocalypse. Il va pleurer énormément. Et l'agneau de Dieu vient et il prend le livre et il va en rompre les sceaux. Voilà.
Il va rompre le sceau. Et au chapitre 6, justement, d'Apocalypse, là, justement, Jean commence à découvrir, hein, les mystères que contenait ce livre, justement. Donc, nous sommes dans le chapitre 6 d'Apocalypse. Voilà. Et quand l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardai et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme avec une voix de tonnerre, viens et vois. Parce qu'il fallait que Jean voie distinctement, n'est-ce pas, l'avenir. C'est à cause de cela que le Seigneur l'avait invité au ciel. L'avenir de l'humanité. Comment le monde allait se terminer. En fait, Jean a vu tous les déroulements, n'est-ce pas, tout le déroulement de la Troisième Guerre mondiale. Il a vu la mise en place de l'Église apostate. Il a vu tout, tout. Dieu lui a montré beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il dit, Jean? Je regardais et je vis un cheval blanc. Je regardais et je vis un cheval blanc. Alors, blanc ici signifie aussi brillant, n'est-ce pas? Brillant. Et en fait, ce cheval-là était tellement brillant qu'il pouvait éblouir les gens. Il pouvait, n'est-ce pas, se faire passer pour un cheval sur lequel Yeshua, notre maître, sera assis. Rappelez-vous bien que dans Apocalypse 19, on nous dit que Yeshua, lors de son retour, sera assis sur un cheval blanc. Il est dit dans le livre de Proverbes, chapitre 21, au verset 31, Proverbes 21, 31, que le cheval est équipé pour la bataille. Donc, on voit bien que ce cavalier, hein, le premier cavalier ici, est équipé pour la bataille. Il part pour combattre. Et on nous dit que ce cheval blanc, donc brillant, avait aussi été monté par quelqu'un. Donc celui qui était monté dessus avait un arc. Et il lui fut donné une couronne. Et il est sorti en vainqueur pour vaincre. Littéralement, il est sorti en tant que conquérant et pour conquérir. Donc voilà, le mot vainqueur ici, c'est Nikao, hein, vient du grec Nikao, qui signifie aussi conquérir. Voilà. Donc on nous parle d'un conquérant. Donc cet homme-là, ce cavalier, l'Antichrist, le fils de la perdition, est un conquérant. Il vient pour conquérir. Et on nous dit qu'il porte une couronne. Il est couronné. C'est-à-dire, il est reconnu par. Hein, on lui reconnaît un certain nombre de mérites. Hein, donc, par les chrétiens, bien sûr, par les gens qui sont éblouis par sa sagesse diabolique. Il est couronné. Il est couronné. Bien sûr, il est couronné aussi par qui? Par le diable. Hein, et il lui fut donné une couronne. Qui lui a donné cette couronne-là? Bien sûr, c'est le diable. Et nous allons le voir rapidement. Dans Apocalypse chapitre 13. Voilà. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Vous voyez bien que il a, bien sûr, c'est la bête ici, là, c'est le premier cavalier, c'est l'homme impie. Et on nous dit qu'il a 7 têtes, c'est-à-dire 7 royaumes les plus puissants de la terre, hein, et 7 rois, pardon. Et 10 cornes, les 10 cornes, c'est les 10 royaumes les plus puissants de la terre, parce que les cornes représentent des royaumes, et les têtes sont des rois, des chefs. Et on nous dit que, et sur ses cornes, 10 diadèmes. Donc les diadèmes sont des couronnes, bien sûr, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Le léopard, ici, dans la parole prophétique, représente bien sûr la Grèce. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Là, c'est les Mèdes et les Perses. C'est-à-dire, c'est l'Iran. Hein. Souvenez-vous bien de l'Iran. L'Iran. Donc, on voit bien que l'Antichrist va beaucoup travailler avec la Grèce. Donc, la Grèce, ici, le léopard, on peut y voir aussi l'Europe, bien sûr. L'Europe. D'accord? L'Europe, donc. Et on nous dit que ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc, l'ours, bien sûr, c'est. Donc le léopard, c'est la Grèce. La Grèce représente l'Europe. L'ours représente les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire l'Iran. Sa gueule
était comme la gueule d'un lion. Le lion représente bien sûr Babylone. Alors il est question ici de à la fois la Babylone politique et religieuse, bien sûr. Donc notez bien ces trois, mes amis, ces trois identités, ces trois entités. Donc le léopard, c'est la Grèce. Par extension, c'est l'Europe. Donc l'Antichrist, vous voyez, le léopard vient en premier hein, ici. Donc l'Antichrist va, n'est-ce pas, avoir un grand pouvoir, une grande, il va exercer grandement son autorité sur l'Europe. Hein, donc l'Europe va être en première, la première position, hein, donc en première position. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc là, c'est l'Iran. Donc vous comprenez pourquoi l'Iran est en train de, n'est-ce pas, de monter actuellement. Rappelez-vous bien que le président iranien a été reçu il n'y a pas longtemps par le président Hollande. Et donc l'Iran est en train de... D'ailleurs, il y a eu des informations sur l'Iran. On pourra en parler. Hein, donc aussi, l'équipe pourra nous retrouver certaines informations concernant l'Iran. Hein, la rencontre entre le président Hollande et le président iranien il n'y a pas longtemps. Et voilà. Donc on voit bien que l'Iran, selon les médias, est un grand marché de près de 80 millions d'habitants. Hein, donc, il est un grand, grand marché. Et l'Iran, pour votre information, est une théocratie. D'accord? L'Iran est une théocratie. Une théocratie, bien sûr, musulmane. Voilà. Donc, on va toujours vous montrer le tableau aux frères et sœurs qui sont chez eux. Et donc, s'il vous plaît, on revient sur... voilà. Donc, l'Iran est une théocratie. Et voilà. Donc, c'est-à-dire, leur constitution est basée sur le Coran. Voilà. Donc, vous comprenez que la troisième guerre mondiale sera une guerre entre l'islam, bien sûr, et le judaïsme, c'est-à-dire entre Israël et, dans un premier temps, les nations arabes qui seront soutenues, bien sûr, par Gog et Magog, et également par l'Europe, hein, une grande partie de pays européens. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de se focaliser, de faire mes amis, un zoom, de zoomer un peu sur ces trois entités là, ces trois animaux là, tu sais. Et mes amis là, il y a le léopard, il y a l'ours et il y a le lion. Donc le lion représente aussi le nord, hein, donc le nord, hein, le septentrion, on le verra plus tard. Le lion représente Babylone. Et Babylone, c'est le royaume du nord. Et on peut y voir aussi prophétiquement la Russie, hein, la Russie, et qui bien sûr va travailler qui travaille aussi avec la Chine, hein, voilà. Et on nous dit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Voilà, donc vous voyez bien que le premier cavalier, on nous dit hein, dans Apocalypse 6, qu'il a, n'est-ce pas, une couronne. Et là, on nous dit que ben, cette couronne-là vient justement du dragon. C'est-à-dire, Satan va tellement miser sur cet homme, a tellement misé sur cet homme, hein, qui est son incarnation, son fils préféré, et qu'il va lui donner carrément son trône, carrément son autorité, sa puissance. Et il y a une grande autorité hein, sur les nations, bien sûr. Et on nous dit que l'une de ses têtes était blessée à mort, mais cette blessure mortelle va être guérie. Et la terre va être remplie d'admiration et va suivre cette bête, c'est-à-dire le premier cavalier qui part en vainqueur. Et la terre va l'adorer carrément. Et ils adorèrent, n'est-ce pas, le dragon, nous dit la Bible. Donc on va essayer de monter, s'il vous plaît, à chaque fois. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Mes amis, on monte à chaque fois, s'il vous plaît, je ne vais pas le répéter tout le temps, hein, les écrits. Et voilà. Donc, vous voyez bien que la terre, les habitants de la terre vont carrément, ils vont carrément faire des éloges, ils vont carrément, n'est-ce pas, se dire les uns aux autres, qui peut combattre contre la bête? Rappelez-vous bien que le cavalier d'Apocalypse 6, il part en vainqueur. Il part pour vaincre, il part
pour combattre, il part pour remporter la bataille. Et voilà, quand les habitants de la terre vont le voir, ils vont se dire, mais il est tellement fort ce cavalier, il est tellement puissant sur son cheval blanc, il ne peut être que le Messie. Il ne peut être que le Tout-Puissant. Voilà pourquoi la terre dira, les habitants de la terre diront, eh bien, personne ne peut combattre contre lui, contre ce cavalier. Tellement qu'il va paraître fort, tellement qu'il va paraître fort sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan financier, sur le plan économique, sur presque tout le plan, sauf bien sûr sur le plan de la sanctification, parce que il ne peut pas produire la sanctification parce qu'il n'est pas de Dieu. Et les habitants du monde, les grands de ce monde, quand ils vont voir la force de ce cavalier, eh ben ils vont être complètement dans la séduction, complètement dans la soumission totale, et ils vont se soumettre à cet homme totalement. Et on nous dit que il a une bouche qui profère des discours pleins d'orgueil, des discours. Mes amis, voyez bien que nous sommes dans une génération où les gens sont séduits par des discours, aussi bien dans les églises que avec des partis politiques. Des discours sur discours, ce sont des beaux parleurs, voyez. Et là, justement, ce cavalier va aussi tromper les gens, va séduire la terre parce qu'il parle bien, parce qu'il s'exprime correctement. Et il va, n'est-ce pas, proposer aux gens, donner aux gens ce qu'ils veulent. Mais ça sera juste pour quelque temps. Parce qu'après, ils vont voir son vrai visage. Et là, ça sera trop tard. Alors, elle va ouvrir sa bouche, nous dit la Bible, pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez bien qu'il est parti pour vaincre, nous dit la parole. Donc, il est sorti pour vaincre et effectivement, la parole nous confirme qu'il va vaincre physiquement, bien sûr, les saints. Alors, ici, il est d'abord question d'Israël, des Juifs et tout ça, mais aussi cet homme, son système a vaincu sur le plan physique. Les premiers chrétiens, ça peut vous choquer, mais oui, physiquement, sur le plan humain, on pouvait dire que oui, ils ont été vaincus dans le sens où ils ont été lapidés, ils ont été décapités, tout ça, comme Jacques était décapité, mais sur le plan spirituel, ils ont remporté la victoire parce que Yeshua, notre maître, avait, n'est-ce pas, déclaré cette parole qui dit tout est accompli. Il a tout accompli. Mais par contre, sur le plan physique, mes amis, selon le monde, donc ces hommes ont été comme vaincus. Et on nous dit carrément qu'il part pour vaincre. Il part pour vaincre. Donc, on voit bien qu'effectivement, on nous dit qu'ici, il va, effectivement, donc ce cavalier, vaincre. Et c'est terrible. Il va vaincre les saints. Pour vous montrer, pour vous dire à quel point, mes amis, ce cavalier est vraiment bien équipé. Et féroce aussi. Et alors on va aller voir rapidement dans Daniel chapitre 7. Voilà, Daniel chapitre 7. Et la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions en sa tête, étant sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et il relata les principales choses. Daniel donc parla et dit, « Je regardais dans ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la terre, sur la grande mer, pardon. » Alors Daniel nous parle de quatre vents des cieux. Écoutez bien. Il nous parle de quatre vents des cieux qui vont se lever avec impétuosité sur la grande mer. Alors la grande mer ici, les questions... Bien sûr, du monde, le monde en désordre, parce que quand la Bible fait allusion au monde désordonné, le terme souvent employé, c'est mer. Voilà, donc c'est le désordre. Puis quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. Alors, vous remarquerez qu'à chaque fois, le nombre 4 revient parce que dans les Écritures, le nombre 4 nous parle de toutes les choses qui ont un rapport avec... En fait, 4, c'est le nombre de l'universalité. Voilà. Donc, et c'est les quatre vents des cieux, les quatre points cardinaux.
et qui parle de tout ce qui est universel. Et là, on nous dit que les quatre vents des cieux vont souffler, c'est-à-dire il va y avoir un jugement, Dieu va juger le monde. Là, Daniel a vu le jugement de Dieu sur le monde. Dieu juge la terre, Dieu juge le monde désordonné sur le plan moral, sur le plan, mes amis, familial, sur le plan spirituel. Tout ça, un monde en désordre, un monde complètement paganisé dans le péché, et Dieu va le juger. Et effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. Et qu'est-ce qui va se passer, suite à ce jugement? Eh bien, quatre grands, n'est-ce pas, quatre animaux vont émerger de ce chaos. Et la première bête, nous dit ici, était semblable à un lion. Il y avait des ailes d'aigle. Alors, bien sûr, c'est Babylone. Là, il est question ici, bien sûr, de l'empire, n'est-ce pas, hein, de l'homme impie, du royaume de l'homme impie, du premier cavalier. La première bête était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Donc, vous voyez bien que il y a un mélange. Hein, donc, les ailes, c'est pour voler. Hein, et l'aigle vole très très haut, donc c'est un royaume qui cherchera à bâtir, mes amis, à ériger des tours, hein, pour atteindre les cieux. Rappelez-vous bien, dans le livre de Genèse 11, on nous parle des hommes qui habitaient à Babel, à Babylone, et qui avaient pour vision, n'est-ce pas, pour projet de construire une tour, donc ziggourat en hébreu, un édifice religieux, dont le sommet toucherait, hein, allait toucher les cieux. Voyez, donc ça c'est les ailes d'aigle. Donc le premier royaume, c'est Babylone, est un royaume qui cherche à monter, à monter, à monter, à monter, à aller encore plus loin. Et c'est exactement ce que le monde fait actuellement. Les hommes cherchent à aller dans les étoiles, n'est-ce pas? Ils veulent atteindre la divinité, et c'est le principe aussi du nouvel âge, n'est-ce pas? On en parlera tout à l'heure. Donc cette religion de l'homme impie qui cherche bien sûr à atteindre la divinité. Voilà, donc ça c'est le côté aigle, hein, de ce royaume. Voilà. Et Daniel dit, je la regardais jusqu'à ce que les plumes de ses ailes furent, hein, arrachées. Elle fut ensuite enlevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Un cœur d'homme lui fut donné. Donc il est question bien sûr ici, hein, de l'homme impie. Un cœur d'homme lui fut donné. Et tout ça. Et il voit la deuxième bête. Et voici, une deuxième bête était semblable à un ours. Donc là c'est l'Iran. On retrouve l'Iran ici. On retrouve les Mèdes et les Perses. Donc les Iraniens sont des Perses. Et se tenait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents. Alors les côtes... nous parle aussi de son autorité, de son pouvoir, et dans sa gueule, entre ses dents. Et on lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc ça veut dire que l'Iran va, mes amis, manger beaucoup de chair. Et ça va être terrible, mes amis. Alors là, ici, historiquement, à l'époque, bien sûr, il est question des Perses et des Mèdes qui ont aussi fait beaucoup de guerres. Il a tué beaucoup de personnes. Et on nous dit que cette prophétie qui concerne l'Iran, hein, va aussi s'accomplir, mes amis, dans les prochains jours. Après cela, je regardais et voici une autre bête semblable à un léopard qui avait sur son dos quatre ailes d'oiseaux. Et sur cette bête avait quatre têtes. Et la domination lui fut donnée. Vous avez vu le chiffre 4 revient. Le nombre 4. Quatre têtes. Rappelez-vous bien que quatre signifie universel. Donc, la troisième bête, mes amis, est une bête qui va, n'est-ce pas, s'étendre sur toute la terre. Et il est question du léopard, c'est-à-dire la Grèce. Ou encore, bien sûr, l'Europe. Hein. Donc, voilà. Après cela, verset 7, je regardais dans mes visions nocturnes et voici, il y avait une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, brisait et elle foulait à ses pieds ceux qui restaient. Elle était différente de toutes les autres bêtes qui avaient été avant elle et elle avait 10 cornes. Donc on voit bien que la quatrième bête était tellement puissante
tellement extraordinaire que Daniel n'a pas pu, n'est-ce pas, l'identifier à une bête terrestre connue. Pourquoi, à votre avis? Parce que la quatrième bête est un mélange de toutes les autres bêtes. Voyez? Donc nous avons ici quatre bêtes. Et rappelez-vous bien que quatre est le chiffre ou le nombre qui parle de tout ce qui a trait à tout ce qui concerne le monde. C'est le nombre de l'universalité. Donc c'est un royaume qui va s'étendre sur toute la terre. Alors la quatrième bête, hein, le chiffre 4, hein, ben, va être le mélange de toutes les autres bêtes. Et c'est ce que nous retrouvons dans Apocalypse 13, là-bas on l'a lu. Vous voyez, c'est pour cela que cette bête était extraordinairement forte. Et par rapport à l'histoire, cette bête, bien sûr, était identifiée à la Rome impériale. Et regardez le verset 8, je considérais ses cornes. Et voici une autre petite corne, hein, donc je considérais ses cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées par elle. Et voici, il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait des grandes choses. Voyez? Et c'est terrible. Donc cette corne-là, justement, a des yeux d'homme. Il est question ici, bien sûr, de l'homme impie, hein, donc le dirigeant de ces quatre royaumes, le dirigeant de ces quatre bêtes, le dirigeant ou encore le premier cavalier, hein, cette petite corne-là qui a des yeux d'homme et qui profère des grandes choses. Et nous sommes au verset, on va descendre. Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était de flammes de feu et ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Voilà. Je regardais alors à cause du bruit des paroles arrogantes que proférait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps fut détruit et livré pour être brûlé au feu. Les autres bêtes furent dépouillées de leur domination, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un temps déterminé. Regardez, mes amis. Et c'est terrible ce qui se passe ici. On nous dit que, mes amis, cette bête va être prise et détruite, ce royaume. Et on descend encore un peu. Voilà. On continue. C'est bon. Là, on rentre dans une autre. On arrive dans. Voilà. Et au verset 15, pour moi, Daniel, mon esprit fut troublé au-dedans de mon corps. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un des assistants et lui demandai la vérité au sujet de tout cela. Daniel voulait connaître parce qu'il voulait savoir ce qui allait se passer parce qu'il a été tellement choqué. Et il me parla et me donna l'interprétation de ces choses en disant, ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Mes amis, on va vraiment aller à chaque fois au-dessus. Alors, je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête. Ben oui, parce que cette bête-là l'avait tellement marqué que Daniel voulait avoir plus de précisions sur cette bête, la quatrième, ce royaume universel, la Babylone, qui est un mélange de tous les royaumes de la terre, pratiquement, qui était différente de toutes les autres, extraordinairement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, brisait et foulait à ses pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête et sur l'autre corne qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux. Voilà la quatrième
mes amis, la quatrième, comment dire, le quatrième royaume, ou encore le premier cavalier d'Apocalypse 6. Vous voyez, il sort pour conquérir, pour vaincre. Et là, on nous dit que, mes amis, effectivement, Daniel a vu comment cette corne, c'est-à-dire le premier cavalier, l'Antichrist, l'homme impie, le fils de la perdition, le faux Christ, allait faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Préparez-vous, mes amis, la guerre va être terrible. Préparez-vous parce que, mes amis, les vrais chrétiens seront de plus en plus persécutés, poursuivis et tout ça. Donc, il va l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Waouh! Et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla donc ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre, qui n'était pas encore là à l'époque de Daniel. Et l'ange lui dit, ce royaume-là sera sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes et qu'il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Waouh! Mes amis, vous vous rendez compte ici? Mais les 10 cornes sont 10 rois qui se leveront de ce royaume, 10 rois, c'est-à-dire les 10 dirigeants les plus puissants de la terre. Et nous en avons déjà au moins 8, hein, à peu près. Donc on parle de G7 ou G8. Vous avez certainement déjà entendu parler de cela, c'est-à-dire les sept pays les plus puissants militairement et économiquement, tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment une oligarchie, voilà, qui gère le monde, bien sûr. Et on nous dit qu'il y aura 10 royaumes. Donc l'Antichrist va diriger la terre avec 10 rois autour de lui, n'est-ce pas, qui vont lui faire allégeance. Et avec ces 10 rois, eh bien, il va diriger toute la terre. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, comme on l'a vu hein, dans Apocalypse 13. Il harcelera les saints du Très-Haut. Donc les chrétiens, les juifs d'abord, les chrétiens seront harcelés, persécutés. Et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Il aura l'intention de changer les temps et la loi. Et c'est exactement ce qui se passe avec le système antichrist aujourd'hui, où des lois des hommes sont de plus en plus votées, des lois iniques, des lois complètement iniques, c'est-à-dire impies, méchantes, des lois très méchantes sont votées, et des lois qui, bien évidemment, vont à l'encontre de la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu dit, tu ne tueras pas. Et on vote des lois qui disent, on peut avorter et on peut même être couvert socialement. On peut aller avec homme, femme avec femme. Et ça, c'est des choses que l'on voit de plus en plus, mes amis, qui se généralisent dans le monde entier, n'est-ce pas? Et ce sont des, bien sûr, c'est le temps de l'Antichrist. C'est le temps, bien sûr, mes amis, se préparer pour nous, les chrétiens, au retour du Mashiach. C'est vraiment important. Donc, on voit bien que l'Antichrist va avoir l'intention de changer les temps et la saison, hein, pardon, les temps et la loi. Pourquoi les temps? Eh bien, rappelez-vous bien que Israël, le judaïsme est toujours la religion du temps. Quand on parle du temps, hein, des temps, on parle forcément des 7 fêtes de Yahweh qui devaient être observées à des périodes bien, bien spécifiques, bien définies. Donc, les Hébreux constituent, mes amis, un peuple qui devait à chaque fois, mes amis, adorer le Seigneur en fonction, bien sûr, de ses fêtes. Et ils avaient plusieurs calendriers, dont 2 calendriers principaux. Le calendrier, bien sûr, religieux, qui commençait avec la première fête, la fête de Pâques, le 14 du mois de Nissan. Et le calendrier civil, qui commençait avec la fête, mes amis, de Yom Kippour, hein, donc le 10 du mois de Tsri, ou le mois des Tamim, le 7e mois. Donc, l'homme impie voudra justement changer les temps, c'est-à-dire enlever ses fêtes. Or, si on enlève ses fêtes, hein, donc forcément, selon l'homme impie, bien sûr, parce que ses fêtes avaient un rapport avec l'œuvre de la croix, notamment la Pâque. Donc, il voulait, bien sûr, en changeant le temps, il voulait, bien sûr, il veut, selon lui, n'est-ce pas, détruire l'œuvre de la croix. Et Dieu disait aux Hébreux qu'il fallait
apporter des offrandes à Jérusalem, n'est-ce pas, 3 fois par an. Et lors de la fête de Pâques, lors de la fête de la Pentecôte et lors de la fête de Tabernacle, selon Deutéronome 16 et 16. Et les hommes devaient paraître devant le Seigneur avec leurs offrandes. Ils ne devaient pas y aller les mains vides. Donc voyez bien que Dieu tenait à ce que les Hébreux respectent le temps. C'est pour cela que Israël marchait avec le calendrier prophétique. Israël marche avec l'horloge de Dieu. Et aujourd'hui, en cherchant à changer les temps, l'Antichrist, bien sûr, veut nous empêcher, nous chrétiens aussi, d'avoir la connaissance du temps dans lequel nous sommes. Il veut nous empêcher de comprendre la prophétie biblique. C'est-à-dire, il ne veut pas que nous puissions avoir cette connaissance-là pour pouvoir, mes amis, associer, faire une comparaison, une analogie entre les événements mondiaux et la prophétie biblique. C'est-à-dire avoir toujours la notion du temps. Et sachez que le Seigneur nous invite, nous chrétiens, à toujours, mes amis, veiller. Paul dit dans Romains, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller maintenant du sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Voyez bien que ceux qui vont être enlevés, ce sont ceux et celles qui maîtrisent le temps, qui connaissent le temps. Bien sûr, c'est Dieu qui les aide. Parce qu'en fonction du temps, celui qui maîtrise le temps, celui qui connaît le temps, il ne va pas rater ses rendez-vous. Donc vous voyez bien que l'homme impie veut nous brouiller, il veut nous éloigner du temps prophétique. Il veut nous éloigner de la prophétie biblique. Il veut nous éloigner aussi de la loi de Dieu. La Torah, la loi véritable, la loi divine. Vous voyez? Et il a cette intention-là. Voilà pourquoi il pousse ses serviteurs à voter des lois, à les promulguer, des lois qui vont, n'est-ce pas, nous empêcher de connaître le temps dans lequel nous sommes. C'est pour cela que des lois sont de plus en plus votées pour divertir les gens avec la télévision, avec toutes ces émissions de télé, tous ces films, tout ça, avec toutes ces choses futiles qui nous perdent notre temps, mes amis, qui nous éloignent du temps de Dieu, qui nous sort, mes amis, carrément de la saison de Dieu. Et aussi des lois qui sont votées, comme vous le savez, pour encourager l'humanité à, n'est-ce pas, vivre de manière tout à fait désordonnée. Voilà, mes amis, le but aussi de l'Antichrist. Ces deux choses, là, changer les temps et changer la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Et là, il est question de la grande tribulation. Parce que l'Église, pour l'instant, au travail de l'Église, Dieu agit sur terre. L'Église est le sel de la terre. L'Église est la lumière est comme une lumière. Et Yeshua dit que nous sommes, nous chrétiens, la lumière comme des lumières. Yeshua étant la lumière du monde, mais nous sommes des petites lampes qui, n'est-ce pas, des lampes qui éclairent un tout petit peu le monde. Et tout ça. Et lorsque l'Église sera enlevée, eh bien, l'homme impie, n'est-ce pas, va asseoir sa domination de manière cruelle pendant 3 ans et demi. Et on nous dit que là, les saints seront vraiment livrés encore entre ses mains. Il est question, bien sûr, d'Israël, des juifs pieux. Il est question aussi des chrétiens qui vont rester lors de l'enlèvement. Et là, ça va être terrible, mes amis. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Afin que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux soient donnés au peuple saint du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les royaumes lui seront assujettis et lui obéiront. Jusqu'ici est la parole, jusqu'ici est la fin de cette parole. Quant à moi, Daniel, mes pensées m'effrayèrent beaucoup et mon visage changea en moi. Toutefois, je gardais cette parole dans mon cœur. Voilà. Donc on voit bien que, mes amis, ce que Daniel a reçu ici, eh bien, c'est la même chose que Jean a vécu. Jean a reçu la même chose, mais Daniel les avait reçus avant Jean. Et Jean va recevoir plus de détails. Jean va voir, par exemple, que cette bête d'Apocalypse 13, c'est-à-dire l'homme impie ainsi que son royaume, va travailler avec une deuxième bête, c'est-à-dire la papauté. Une deuxième bête, mes amis, qui a l'apparence d'un agneau, qui a les deux cornes de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc, vous voyez bien qu'il y a une association entre ces deux bêtes. La première, l'homme impie, le premier cavalier. Et la deuxième bête, bien sûr, c'est la papauté. C'est cette église paganisée, cette église œcuméniste, cette église, mes amis, fédérée, cette église pastorale, complètement fédérée.
mes amis, avec ses dénominations, avec ses pastorales, avec ses soutanes, avec ses costumes et cravates à longueur de journée, avec ses dîmes, avec ses offrandes inventées, avec mes amis, ses divorcés, remariés, avec ses francs-maçons, ses rosicruciens, avec ses doctrines impies qui encouragent les gens au péché sexuel, qui encouragent les gens à la promiscuité sexuelle, qui encouragent les gens, mes amis, à l'enrichissement personnel. Cette église de Laodicée, cette église complètement impie, qui met l'accent sur la terre. Eh bien, voilà cette association, mes amis, entre les deux entités. Une entité politique et une entité religieuse. C'est pour cela que ce royaume, le royaume de l'homme impie, sera un royaume qui va s'étendre sur toute la terre. Parce qu'il y a l'aspect, mes amis, spirituel. Il y a l'aspect religieux. Et en parlant de la deuxième bête, allons voir un peu cette deuxième bête, là, mes amis. Je vous dis que l'antichrist vient pour vaincre. Et pour vaincre, eh bien, il va associer, mes amis, les religieux. Il va associer les religieux. Et je veux rapidement aller vous montrer quelque chose. Donc, on va nous montrer d'abord les images de l'homme impie et le Maitreya. Alors, j'espère que les gens voient les images chez eux comme ça, les amis, c'est ça? C'est bon? Là, regardez cette image-là, le Maitreya. Voilà. Donc là, c'est une image, bien sûr, bouddhiste, hein, et que l'on retrouve aussi dans beaucoup, peut-être pas forcément avec ce qu'il y a autour, dans beaucoup de... on retrouve cette image chez beaucoup de chrétiens, et soi-disant même déjà catholiques, et aussi quelques chrétiens évangéliques, malheureusement. Alors... Et on reste sur l'image, que les gens voilà, découvrent un peu ces images. On va montrer d'autres images. Alors, il y a environ 2600 ans, il y a eu un homme du nom de Gautama Buddha qui a prophétisé qu'au début de l'ère nouvelle, viendrait dans le monde un grand instructeur, un Bouddha comme lui, du nom de Maitreya. Et c'est l'image que vous avez là. Alors, Maitreya, a-t-il dit, inspirerait à l'humanité la création d'un âge d'or, d'une brillante civilisation fondée, selon lui, sur la justice et la vérité. Alors, depuis 2600 ans, les bouddhistes attendent la venue du Bouddha Maitreya. Et depuis 2000 ans, disent-ils également, que les chrétiens attendent le retour du Christ. Alors, comme nous, chrétiens, nous attendons le retour du Christ, alors les bouddhistes disent justement que le Christ et le Seigneur Maitreya sont un seul et même individu, selon eux. Le Maitreya de tous les maîtres. Et comme l'appelait Gautama Buddha, c'est-à-dire le fondateur du bouddhisme, l'instructeur des anges, Devas et des nommés, et des hommes, pardon. Alors, qu'est-ce que Bouddha disait? Bouddha disait également que les enseignements de la sagesse éternelle ont été donnés au monde par des maîtres de sagesse. Et cet enseignement a été transmis en Occident principalement, donc l'enseignement du Nouvel Âge, hein, donc a été transmis en Occident principalement par l'entremise de deux disciples, donc Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la société théosophique, la société théosophique. Et puis, il y a eu aussi une autre femme qui a propulsé véritablement le mouvement du New Age, du nom de Alice Bailey, qui était en fait un secrétaire, hein, donc d'un maître tibétain. Voilà. Donc, on voit que Bouddha, le fondateur du bouddhisme, a prophétisé que, donc il a prophétisé quand même, c'est-à-dire, il y a 2600 ans, parce qu'il a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Bouddha a prophétisé qu'un maître allait venir sur terre. Et ce maître-là, Bouddha l'appelait Maitreya. Et Maitreya, selon les bouddhistes, est celui qui va, bien sûr, asseoir, mettre en place un gouvernement mondial. C'est lui qui va mettre en place, ce royaume universel, un royaume de paix, selon eux. Et selon le New Age, le Nouvel Âge, et on l'appelle aussi le Christ. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent également? Donc, en fait, Alice Bailey a propulsé fortement le mouvement du New Age
Alors, le Nouvel Âge est une religion qui prône, bien sûr, l'unité de toutes les religions. Les adeptes du Nouvel Âge disent que les bouddhistes attendent le cinquième Bouddha, donc le Maitreya. Les musulmans attendent l'imam Mahdi. Les hindous, Krishna. Les juifs, le Messie. Les chrétiens, bien sûr, nous les chrétiens, Jésus-Christ, donc le Messie, notre Messie. Alors, eux, ils disent que eh ben, tous ces personnages ne représentent qu'un seul, c'est-à-dire le Maitreya, dont Bouddha a parlé, hein, donc dont Bouddha a prophétisé la venue. Alors, c'est quoi la théosophie? Hein? Donc, la théosophie fait référence en fait à un système philosophique ésotérique à travers lequel l'être humain, selon eux, tente de connaître le divin et les mystères de la vérité. Donc, c'est un système ésotérique, donc caché, c'est de la sorcellerie. D'accord? Et donc, c'est un système, mes amis, qui est bien sûr pyramidal. Donc, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et Cancar, et tout ça. Et donc, on voit bien que le Maitreya, hein, donc l'Antichrist, va être, mes amis, va s'appuyer sur la religion pour se faire adorer, pour se faire accepter. Il va s'appuyer sur la religion, sur la deuxième bête, sur la femme qui est assise sur les grandes eaux d'Apocalypse 17, l'église paganisée, l'église complètement syncrétiste, une église complètement paganisée, œcuméniste, une église qui accepte les lois impies de l'homme impie, les lois, mes amis, de péché, les lois de l'homme impie. Cette église-là, justement, on la voit aujourd'hui. Alors, on va voir d'autres images du Maitreya. Et regardez, voilà. Donc là, regardez cette image-là. C'est un faux Jésus que l'on voit dans beaucoup d'églises, même les églises, certaines églises évangéliques, hein. Donc, on continue. Une autre image, les amis, on va aller assez vite. Celle à côté, celle à côté. Donc ça, cette image-là, par exemple, cette photo, et selon les adeptes du Nouvel Âge, c'est le Maitreya qui serait apparu lors d'un culte hein, au Kenya. Voilà, on va y aller, on va montrer d'autres images. Voilà, ça c'est aussi une autre photo, un dessin plutôt, un dessin d'un faux Jésus, présenté comme le Maitreya. Et on retrouve cette image aussi chez beaucoup de chrétiens, malheureusement. Hein, chez les catholiques, même chez certains chrétiens évangéliques. Voilà. Donc, on continue à montrer les images là. Voilà. Donc, ça, c'est un Bouddha qui représente bien sûr le Maitreya. Voilà. Donc, il y a plusieurs images hein, en fonction de la religion. Et on continue. Voilà. Donc, là, c'est le Maitreya qui va apparaître hein, lors d'un culte au Kenya, en Afrique, selon les adeptes de ce mouvement. Voilà, toujours, c'est le même individu. Ces statues, ces images. Voilà, donc, on voit bien que mes amis, génération est prête à recevoir cet individu. Pourquoi? Parce que, sur le plan politique, on voit que le monde devient de plus en plus, mes amis, globalisé, hein, de plus en plus unifié. Et sur le plan religieux, on voit de plus en plus l'œcuménisme qui se met en place, de plus en plus de cultes œcuméniques qui sont organisés ici et là. On voit bien que le monde est de plus en plus, mes amis, prêt pour recevoir enfin son dirigeant, c'est-à-dire le premier cavalier qui vient pour vaincre. Mais dans un premier temps, il va se faire passer pour un gentil, pour quelqu'un de bon, et beaucoup seront séduits comme on l'a vu. Beaucoup vont le suivre, beaucoup vont l'adorer, ils vont le servir et avec mes amis dévouement. Voilà, donc allons voir donc la deuxième bête dans Apocalypse 13. La deuxième bête à partir du verset 11. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Jean continue, il dit, donc, puis je vis une autre bête qui montait de la terre.
Donc la première bête monte de la mer. On a vu dans Daniel 7 là-bas que la mer, c'est le monde, nous parle du monde désorganisé suite au jugement de Dieu. Et il va y avoir un chaos. Donc c'est le chaos que l'on voit actuellement avec les attentats, avec les guerres, avec la famine, avec tous ces troubles, hein, donc les problèmes politico-économiques également. Tout ça, c'est aussi des choses qui sont préparées, qui sont bien sûr fomentées de toutes pièces. Hein, et on sème le chaos et puis on fait émerger de ce chaos un nouvel ordre. Voilà. Et là, ben, Jean voit une autre bête qui montait de la terre cette fois-ci. Donc, et c'est une église paganisée. C'est la papauté qui ne vient pas du ciel, mais qui vient de la terre, de l'homme. Voilà, la terre, de la poussière. Et en fait, la terre ici correspond également à l'argile dont il est question dans Daniel chapitre 2, où on nous dit que le fer va se mélanger avec l'argile. Vous vous rappelez, le fer, c'est le quatrième royaume, c'est la Babylone politique. Et l'argile, ici, nous parle de la deuxième bête, c'est-à-dire de la terre. Tout ce qui vient de la terre, c'est la religion mondialiste. Vous voyez, ce n'est pas une église qui vient du ciel, mais elle vient de la terre. Voilà. Et on nous dit que cette bête avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. À celles de l'agneau. Alors, dans d'autres versions, on dit à celles d'un agneau. Mais en fait, non, à celles de l'agneau de Dieu. Donc, vous voyez bien que la deuxième bête va tout faire pour ressembler à l'agneau. N'est-ce pas? Et Yeshua nous dit dans Matthieu chapitre 7, il dit, méfiez-vous, prenez garde, pardon, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements des brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups cruels ou dangereux. Donc voyez bien qu'il nous a, n'est-ce pas, averti que des faux prophètes allaient prendre l'apparence d'un agneau. Et c'est exactement ce que, mes amis, la deuxième bête va faire ici, c'est l'allié, c'est l'associé du premier cavalier. Et cette bête, mes amis, va avoir l'apparence, une apparence pieuse. Et Pierre, Paul nous dit dans 2 Timothée, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et effectivement, cette bête vient de manière, elle vient avec des vêtements, mes amis, de sainteté, avec des vêtements blancs, tout ça, et costume et cravate, soutane, collet clérico, tout ça. Mais en fait, c'est l'apparence là, elle trompe. Et regardez ce qui se passe. La suite. On nous dit quoi? Elle avait deux cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Vous vous rendez compte, mes amis, le contraste entre l'agneau et le dragon? Une apparence de douceur, mais le fond, c'est la haine, c'est le dragon, c'est la colère, c'est la jalousie. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, cette deuxième bête, mes amis, va être mandatée par la première bête, c'est-à-dire le côté politique. C'est l'homme impie qui va manipuler cette bête-là, c'est la papauté. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les habitants de la terre, à cause des prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en sa présence, en présence de la bête. Et cette bête disait aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui était bien vivante. Et elle lui fut donnée de mettre un esprit à l'image de la bête, un esprit à l'image de la bête, un démon. L'image de la bête, mes amis, c'est tout ce qui a trait à l'image. Tout ce qui a trait au cinéma, tout ce qui a trait à la télévision, tout ce qui a trait même au net, hein, donc à l'internet. Et donc on voit bien que derrière ça, il y a vraiment des puissances occultes. On nous a dit que l'image de la bête a un esprit derrière, il y a un esprit derrière elle. Et elle fit que tous, petits et grands, et afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc on voit bien que la marque de la bête, elle est déjà là. C'est d'abord une marque spirituelle. Et la main, pourquoi la main, c'est yod en hébreu. C'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est l'action.
Et pourquoi le front? Le front, c'est la pensée. Nos actions sont les résultats de nos pensées. Nous pensons et nous agissons. Et il ne fait que copier ici la parole de Dieu, mais de manière, n'est-ce pas, complètement méchante, parce que les Hébreux devaient avoir sur leur front, mes amis, selon Deutéronome 6, la marque de la parole du Seigneur, sur leur front ou sur leur main droite. Dieu voulait que leurs actions soient les résultats de la méditation de sa parole. Voyez? Mais par contre, l'homme impie ici va pousser les habitants de la terre à être remplis de son image à lui, afin que leurs actions soient, n'est-ce pas, des actions méchantes. Et c'est pour cela que vous allez voir des gens qui vont tuer parce qu'ils ont fait, ils ont joué aux jeux vidéo violents. Des gens vont tuer parce qu'ils ont regardé des films bizarres, tout ça. Et des gens vont sur Internet, ils vont se faire enrôler pour aller s'exploser, tout ça. On est dans une génération où l'image compte énormément. L'image, les apparences. Voilà. Et on nous dit que cette bête, la première bête, n'est-ce pas, a une marque, une image. N'est-ce pas? Et on nous dit, donc, il a le nombre, il a le nombre, donc un nombre aussi, et son nombre est est un nombre d'hommes. C'est le 666. Voilà. Alors, pour votre information, le monde est géré par un groupe de personnes. Hein, donc, 666 personnes qui sont les grands illuminés. Les plus grands illuminés, c'est un nombre d'hommes, nous dit la parole. C'est un grand, comment dire, en fait, le monde est géré par 666 personnes, les plus illuminées, qui sont au service direct de la bête, qui sont au service direct de Lucifer. C'est sa première ceinture ici, parmi les hommes sur Terre. C'est 666 personnes. Mes amis, parmi ces personnes, toutes ces personnes sont bien sûr illuminati, ce sont des Illuminati, ce sont les gens les plus éclairés selon, bien sûr, leur doctrine. Ils ont été illuminés par Lucifer et ce sont eux qui gèrent le monde dans les coulisses. Voyez? Et frères et sœurs, cette bête, la deuxième bête, la papauté, l'église œcuméniste, syncrétiste, sera de plus en plus puissante. C'est la femme dont il est question dans Apocalypse, mes amis, 17, 18. Cette femme, cette ville en même temps qui va, mes amis, être détruite, complètement détruite. Et on va pas parler de cette femme aujourd'hui, mais on va vraiment beaucoup plus rester sur la bête, hein, parce que c'est quand même des enseignements qui nécessitent beaucoup, beaucoup de temps. Nous savons que actuellement son royaume est déjà là. C'est pour cela que vous avez, en 2008 par exemple, il y a cette crise économique qui a été déclenchée avec Madoff, cet homme américain qui a détourné près de 60 milliards de dollars, soi-disant, à l'issue. Hein, donc cette crise en fait a été déclenchée pour, bien sûr, mettre en place de manière officielle le nouvel ordre mondial dont avait parlé Bush. Même le président Sarkozy à l'époque, et beaucoup d'autres grands de ce monde. Ensuite, la crise présente va s'intensifier, et à l'issue de cette crise, mes amis, on va nous proposer officiellement maintenant, écoutez bien, le gouvernement mondial. Une seule monnaie, une seule banque, une seule armée. Et là, mes amis, ça va être pratiquement, ça va être la guerre. C'est là. De toute façon, vous devez savoir, mes amis, que nous sommes, nous chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Ecclésia. C'est pour cela que faut comprendre, vous devez comprendre qu'il est presque, en fait, il est minuit. Il est minuit, il faut se préparer, mes amis, au retour du Seigneur. Il faut se préparer dans la prière. Hein, il faut se sanctifier davantage parce que le Maître est en train de venir. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Verset 43. Jean chapitre 5, verset 43. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ici, c'est Yeshua qui parle. Il dit, je suis venu
Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. En fait, le Seigneur ici a utilisé un langage très prophétique. Lui, le Messie véritable, a été rejeté par les siens. Et il dit, un autre va venir et vous allez, vous les Juifs, le recevoir. Et c'est l'homme impie. L'homme impie qui viendra en son propre nom. Voilà pourquoi on nous dit qu'il a un nom et son nom c'est le 666. Regardez bien. Si un autre vient en son propre nom, rappelez-vous bien, son propre nom, allons dans Apocalypse 13. Repartons là-bas, 13, là où il est question du nombre de la marque de la bête. Apocalypse, les amis. Voilà. Alors, et il fut, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête. Vous avez vu, mes amis, on nous dit que Yeshua a dit que quelqu'un d'autre viendra en son propre nom. Et vous le recevrez. Donc, c'est pour cela que la bête qui vient, elle vient en son propre nom. Elle vient imprimer son nom, imposer son nom sur la terre, aux habitants de la terre. Voyez? Et pour le comprendre, pour comprendre son fonctionnement, le verset 18 nous dit, il faut de la sagesse et de l'intelligence. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, mes amis, c'est l'aboutissement de la crainte de Dieu. La sagesse, c'est nous dit la Bible, est l'accomplissement de la crainte de Dieu. C'est la finalité. Et la sagesse, c'est qui? C'est Yeshua. Donc, pour découvrir le système de l'homme impie, pour comprendre son système, afin de sortir de là, il faut vraiment, mes amis, là, une grâce. Il n'y a que Dieu qui peut, mes amis, nous aider à sortir de là, à saisir, mes amis, ces choses. Donc, voyez bien que l'homme impie, avec des lois impies, l'homme impie est en train de séduire beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, comme Akab et Jézabel l'avaient fait. Beaucoup de prophètes mangent à la table des rois, se compromettent ainsi. Mes amis, ils perdent leur autorité, ils perdent leur onction, ils perdent leur dignité. Pourquoi? Parce qu'ils mangent à la table de grands. Ils vont prendre l'argent chez les présidents pour ne plus prêcher la vérité, comme ce qui se passe dans nos pays, comme ce qui se passe en Afrique, mes amis, et que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Donc, l'objectif de l'homme impie, c'est de pousser toutes les églises à s'unir de manière visible, d'où l'écuménisme, le syncrétisme. On voit par exemple le pape qui va prier dans les mosquées. Il était en Turquie, il est allé prier là-bas dans une mosquée. Donc on voit bien que, mes amis, de plus en plus, on commence à ouvrir un peu, à étendre un peu ses tentacules, tout ça. Et parce que ce royaume, le royaume de l'homme impie, sera un royaume universel. Et on voit bien dans Zacharie 6, par exemple. On va aller rapidement dans Zacharie 6. Zacharie 6, il y a quelque chose de très très important là-bas aussi qu'on va rapidement lire. Zacharie 6. Donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez pour éventuellement poser vos questions. Zacharie 6, regardez bien. Je levai encore mes yeux et je regardais. Et voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes. Et ces montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au deuxième char, des chevaux noirs. Et au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Ou encore tacheté et vigoureux. Tacheté et vigoureux. Et je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait. Mon Seigneur, que veulent dire ces choses? L'ange répondit et me dit, ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur.
voilà, devant le Seigneur de toute la terre, voilà. Les chevaux noirs qui sont à l'un des chars et se dirigent vers le pays du nord, et les blancs sortent après eux, et les tachetés se dirigent vers le pays du sud. Ensuite, les rouges sortent et demandent à parcourir la terre. Et voyez, on nous dit que les blancs et les noirs se dirigent vers le pays du nord. Alors, le pays du nord ici nous parle de Babylone. Vous voyez, mes amis, regardez bien dans Jérémie 51 là-bas, vous allez voir que le nord, c'est Babylone. Donc, les chevaux noirs et blancs vont vers Babylone. Or, le cavalier blanc, le cavalier qui est assis sur le cheval blanc dans Apocalypse 6, et l'homme impie, mes amis, c'est le roi de Babylone. C'est le roi de Babylone. Vous voyez bien que mes amis, Zacharie, même le prophète, avait parlé de ces cavaliers. Donc, on va parler après, bien sûr, pas ce soir, mais des trois autres cavaliers. Et restons sur le premier cavalier d'Apocalypse 6. Ça, c'est l'homme impie. C'est celui qui part avec ses flèches pour séduire les gens. Et si vous n'avez pas de bouclier, eh bien, ces flèches, telles de dards enflammés, vont vous atteindre pour vous détruire. Et ces flèches, mes amis, atteignent actuellement beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants, beaucoup de chrétiens qui se laissent séduire, qui pensent qu'ils sont appelés à régner sur la terre. Et on les appelle majesté. Ils se saluent par majesté. Ils pensent que, mes amis, alors qu'ils oublient même qu'ils sont, mes amis, qu'ils ne sont pas éternels, qu'il faut se préparer pour la nouvelle Jérusalem, qu'il faut se préparer pour les noces. Ils n'ont pas cette notion-là. Ils n'ont pas cette notion-là. Ils l'ont plus. Ou ils l'ont jamais eu. Vous voyez, cette bête, mes amis, a réussi à atteindre beaucoup de dirigeants évangéliques, beaucoup de prophètes, mes amis, qui ont créé leur synagogue de Satan et qui se congratulent, qui se glorifient les uns les autres, ouais, parce que bah, justement, ils sont, mes amis, acclamés, ils n'ont pas ils n'ont pas de combat comme les enfants véritables du Seigneur. Ils sont acclamés, ils sont accueillis, ils sont plébiscités, hein, par les hommes de ce monde. Voilà. Donc, et là, on voit que ici, là, on nous dit que ces chevaux, mes amis, étaient sortis des deux montagnes, hein, des deux montagnes des reins. Les reins nous parlent du jugement. En fait, les cavaliers d'Apocalypse 6 sont libérés par le Seigneur pour que le monde soit jugé. Hein. Donc, l'homme impie est le jugement de Dieu sur le monde. Dieu est juste. Comme le monde l'a rejeté, eh bien, Dieu le dit, OK. Comme vous ne voulez pas de mon règne, vous ne voulez pas de mon autorité, de mon royaume, eh bien voilà, maintenant vous allez être dominé par l'homme impie, le Maitreya. Voyez? Et le Maitreya, mes amis, et son gouvernement est déjà là. Et Jean nous dit dans 1 Jean 2, on l'a vu hier, que l'Antichrist viendra. Mais à l'époque de Jean, Jean disait qu'il y avait plusieurs Antichrists. Et il nous dit également, Jean, n'est-ce pas, dans 1 Jean 2, 18, là-bas, on l'a lu hier. Jusqu'au verset 20 là-bas, il nous dit que l'esprit de l'Antichrist était déjà sur terre à son époque. C'est-à-dire depuis au moins, depuis des années, cet esprit travaille. Et l'Antichrist, il y a, dans la Bible, il y a plusieurs figures de l'Antichrist. Il y a la première figure dans la Bible, c'est Caïn. Caïn qui a tué son frère, qui a persécuté un vrai croyant. Voyez, le premier homme à avoir persécuté un enfant de Dieu, c'est Caïn. Et Caïn, mes amis, Caïn, disait servir Dieu. Comme l'Antichrist, quand il viendra, il fera croire aux gens qu'il est vraiment un homme de Dieu. Et la deuxième figure de l'Antichrist dans la Bible, c'est Némorod. Dans le livre de Genèse 11, Genèse 10 et 11, on nous dit, mes amis, que cet homme issu, mes amis, de l'Éthiopie, c'est un Africain, un Éthiopien, mes amis, descendant de Cush ou Cush. Et Némorod était un grand chasseur devant Yahweh. Et c'était un occultiste. Et c'était un rebelle. Son nom signifie rebelle. Donc l'Antichrist est, mes amis, est un rebelle. Et c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Et maintenant, on nous dit que Némorod, mes amis, va être le premier roi de l'histoire biblique, bien sûr. C'est le premier roi. C'est lui qui va régner, il régnait sur plusieurs villes. C'était des cités, États, hein, des petites cités, États. Et lui, il régnait sur plusieurs cités, États. Donc, c'est le premier empereur de l'histoire de la Bible. Et c'était un homme très, très méchant. Très méchant. Et les gens le craignaient. C'était, mes amis, le roi de Babylone. Donc, vous voyez bien que l'histoire se répète.
Et c'est lui, Némérod, qui va être l'instigateur de la vision, de la construction de la tour de Babel dans Apocalypse, dans Genèse 11. C'est lui qui est l'instigateur de cette vision-là. Et c'est exactement ce que l'homme impie est en train de faire, mes amis. Et il va amener l'humanité à se rebeller contre Dieu. Et c'est pour cela, c'est ce qui se passe sur le plan, mes amis, politique, sur le plan religieux. De plus en plus de chrétiens, des pasteurs ne veulent plus de la vérité. Mes amis trouvent que la Bible, mes amis, est dépassée et change même la parole de Dieu. Et même ceux qui font des traductions de la Bible changent des mots parce qu'ils se disent... que comme le dictionnaire Larousse déclare à chaque fois que tel mot est devenu désuet, donc il faut changer. Et il ne s'imagine même pas qu'il se laisse dicter par les académiciens, n'est-ce pas, par les hommes de ce monde, par des francs-maçons qui sont utilisés par l'ennemi pour transformer nos langues. Et eux, au lieu de prier pour que la parole de Dieu s'impose, mais au contraire, ils vont se conformer au siècle présent et ils vont enlever des mots clés de la parole, de l'évangile, comme la repentance, comme la conversion, comme l'enfer, comme, mes amis, le péché et tout ça. Et ils vont utiliser des euphémismes pour ne pas choquer les gens, des mots doux. Pour ne pas choquer. Et ça donne naissance à des Bibles complètement paganisées, à des Bibles de la nouvelle du nouvel âge, des Bibles de Maitreya. C'est pour préparer l'humanité à avoir tous le même vocabulaire, les mêmes mots. Et en fait, on rejoint, ils sont en train avec leur traduction de Bible de rejoindre Genèse 11. Toute la terre avait les mêmes mots. C'est le monde qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Mes amis, et là, c'est des Bibles corrompues, des Bibles complètement paganisées, avec, mes amis, des mots qui sont, bien sûr, des mots complètement, qui ne veulent plus rien dire, parce que la repentance, par exemple, devient, dans certaines versions de la Bible, changement radical. Oui, mais on peut changer radicalement par rapport à la nourriture. Alors que quand on parle de la repentance, c'est un rapport avec le péché, avec la prédication de l'évangile. Vous voyez mes amis, c'est-à-dire l'humanité est prête aujourd'hui pour recevoir, à recevoir l'homme impie. Et voilà pourquoi peu à petit ces églises sont, mes amis, s'alignent derrière l'homme impie, avec une musique complètement paganisée. Une musique qui vient du New Age, du Nouvel Âge. Une musique, mes amis, qui séduit de plus en plus ces musiciens qui sont utilisés par les esprits de corruption, les esprits de séduction, qui séduisent les chrétiens, des chrétiens, mes amis. Et en fait, on est à la fin. Voilà, on est à la fin. La boucle est bouclée. L'Église est née sous l'Empire romain et ces chrétiens du 1er siècle étaient persécutés. Tous. Et l'Église de la fin que nous sommes, se retrouve également sous le 4e empire. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? C'est la persécution des véritables chrétiens. Et c'est pour cela, chrétiens, quand vous entendez des gens insulter les vrais enfants de Dieu, faire des montages vidéo pour dire des mensonges sur les frères et sœurs, sans preuve, des gens qui n'ont jamais approché les frères et sœurs, qui sont assis sur leur canapé, qui s'excitent comme des puces, qui ont le ministère des canapés, qui aboient, qui sont en train d'aboyer. Et vous ne devez pas être choqué, vous ne devez pas être troublé. C'est des choses qui doivent arriver. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on allait être acclamé, accepté. Malheur à vous, disait-il, si tout le monde disait du bien de vous. Vous devez comprendre en quel temps nous sommes. Vous devez comprendre que nous sommes dans le, mes amis, dans une génération où le monde est devenu un petit village et que les vrais chrétiens seront persécutés. Le Nouvel Âge dit, donc les adeptes du Nouvel Âge disent que il faut combattre la foi chrétienne parce que la foi chrétienne croit en un seul Dieu. Or, nous ne voulons pas que les hommes de ce monde croient qu'il y a un seul Dieu, étant donné qu'il y a plusieurs divinités, plusieurs religions. Donc, il faut les amener à accepter les autres divinités pour qu'il y ait la paix sur la terre. Et c'est pour cela qu'ils vont jusqu'à falsifier la parole de Dieu, des Bibles. Ils vont jusqu'à, mes amis, inventer la Trinité. Au premier siècle, vous vous rendez compte avec Tertullien,
Et puis au IVe siècle, avec mes amis Athanase, qui va mettre en place carrément la confession de foi d'Athanase, qui dit que celui qui ne croit pas que Dieu est trois personnes, et mes amis mélangés, il y a un Dieu qui est mélangé, composé de trois personnes distinctes, qui sont bien sûr Père, Fils et Saint-Esprit, et ces trois personnes sont co-créatrices. Eh bien, celui qui ne croit pas en ça ne pourra pas être sauvé. Alors que Yeshua disait, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth, la parole nous dit que celui qui ne croit pas en Yeshua comme étant son Seigneur et son Sauveur ne pourra pas être sauvé. Vous voyez, ils ont modifié l'évangile. Ils ont créé leur évangile, comme Paul disait. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, si on vous prêche un autre Jésus ou un autre esprit, eh bien, vous acceptez ces choses facilement. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Des ministres qui sont des antichrists, hein, des ministres de l'ennemi, du dragon, du serpent ancien, se sont déguisés, mes amis, en prophètes, en apôtres, en pasteurs, en dirigeants d'église, en prédicateurs de canapé. Ils se sont déguisés, ils pleurent même quand ils prêchent la parole pour vous faire croire qu'ils sont sincères. Ce n'est que du pathos. Le pathos fait appel aux émotions. Donc tout ça, c'est de la comédie, c'est du sophisme. Tout ça, c'est étudié. C'est un mélange des choses et des chrétiens qui sont malheureusement, qui ne sont pas éclairés, à qui Dieu ne parle pas parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Eh bien, ils sont éblouis, ils sont séduits. Eh bien, ils suivent bêtement. Nous sommes dans une génération, frère. Il faut prier que Dieu vous montre l'état d'âme des gens. Priez Dieu chez vous. Qu'il vous dise, demandez au Père Céleste qui vous montre qui est qui, et Dieu vous parlera. Ne suivez pas forcément les uns les autres, obéissez au Seigneur, frère. Yeshua dit, beaucoup viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est le temps, nous sommes dans un temps critique, mes amis. Ne me demandez pas, frère, c'est dans quelle assemblée que nous devons y aller. Ben, moi, je vous recommande la Bible, les Écritures, je vous recommande Yeshua, le Mashiach. Je vous recommande, mes amis, à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu m'a dit, tu ne feras plus des missions avec des apôtres, des prophètes avec toi à tes côtés, sois seul écrit. Voilà. Et je dirai tout ce que Dieu me dira de dire. Je dénoncerai tout ce que Dieu me dira de dénoncer. Je ne suis pas là pour vous plaire, je ne plairai à personne d'autre si ce n'est qu'à celui qui m'a créé et qui m'a envoyé. Voilà. Je ne chercherai pas à plaire à un président, à un homme politique, à un général, à un colonel, à un ministre, à je ne sais pas qui, aux enfants de je ne sais pas de quel président. Je prêcherai la vérité, mes amis, quitte à rester seul et avec mon Dieu. Et jusqu'au bout, je dirai ce que mon Dieu me dirait de dire, mes amis, au nom de Yeshua. Et ce qu'il m'a dit de vous dire, c'est de vous dire qu'il revient. Ne vous focalisez pas sur moi, sur les gens qui peuvent être avec moi. Focalisez-vous sur la parole du Seigneur, sur Yeshua. C'est ça l'évangile, frère. Donc, on va beaucoup parler sur la prophétie biblique. Les temps sont critiques. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti. Yeshua revient. Voilà le message. Il n'y a pas un autre évangile. Le véritable évangile, c'est celui qui dit, selon 1 Corinthiens 15, que Yeshua est mort et ressuscité pour nous, notre justification. Il revient pour nous chercher. Il n'y a pas un autre chemin que Yeshua à Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre vie que Yeshua à Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas, mes amis, un autre Dieu que Yeshua à Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ou le Dieu d'Israël. Mes amis, on parlera par la suite de la grande tribulation, comment l'homme impie va maltraiter les gens. On parlera, mes amis, comment il va être attrapé et jeté vivant dans les temps de feu. Tout ça. Donc, vous avez compris ce soir un peu voilà comment il va fonctionner. Donc, comment il travaille. Le premier cavalier qui part pour vaincre, pour écraser, pour dominer. Hein, donc, la bête dont il est question dans Daniel 7, tout ça. Daniel l'a vu, Daniel était effrayé, tout ça. Il part et pour changer les temps et la loi, vous l'avez compris, vous l'avez vu. C'est pour cela, ne laissez personne vous voler votre temps. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ne laissez personne vous distraire. Les gens qui viennent vous voir, ah, vous n'avez pas vu cette vidéo qui parle, cet homme qui parle. N'écoutez plus, frère. Priez, priez. Méditez la parole avec vos enfants, vos femmes, vos maris. Gardez votre temps, gérez votre temps. Nous devons être des bons gestionnaires de notre temps. Car le temps, mes amis, ne nous appartient pas. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Nous avons encore 10 minutes qui nous restent. Que Dieu soit béni. Nous avons quelqu'un en ligne, Benoît. Allô, bonsoir. Ok. Allô, bonsoir. Allô. Allô, oui, bonsoir. Allô. Allô, oui, bonsoir, je vous appelle à partir de Toulouse.
Benoît, je n'entends pas du tout ici. Il n'y a pas de retour. Allez-y. Allô? Oui, là c'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais à partir de Toulouse. D'accord. Oui, je voudrais vous faire part de, d'un songe que le Seigneur m'a donné il y a quelques mois, un mois de cela à peu près, un peu plus d'un mois. Mm-hmm. Alors j'ai vu, je marchais dans une rue et j'ai vu dans le ciel un lion, un grand lion, tout blanc, vraiment éclatant. Et après que j'ai pu traverser, j'ai pu voir encore par après, derrière ce lion-là, plusieurs chevaux, des chevaux blancs, tout blancs. Et de ces chevaux blancs-là, on voyait, on pouvait voir à un moment donné une bête qui pouvait attaquer, vouloir attaquer un de ces chevaux qui était dans cette troupe de chevaux. Et j'ai pu voir le cheval, ce cheval-là, ben, voler un petit peu pour s'écarter, pour ne pas être touché. Et derrière tout ça, j'ai vu une grande boule de feu, jaune, rouge, et avec des flammes noires. Et voilà, c'était l'image que j'ai eue il y a à peu près, il y a un peu plus d'un mois. Et vraiment, je sais que les lions, bien sûr, c'est Yeshua. Les chevaux, c'est le jugement. Et le feu, j'ai plus pensé à tout ce qui est à la plaie qui va venir dans le monde. Après, je peux me tromper. Ben c'est ça, c'est le jugement. Dieu, en fait, tous ces problèmes que le monde, tous les problèmes que le monde rencontre actuellement, même l'émergence de l'homme impie, de l'antichrist, ben, tout ça constitue en fait des jugements. Dieu qui exerce ses jugements sur la terre avant, bien sûr, et l'enlèvement de l'église avant la grande tribulation. Et bien sûr, la grande tribulation sera un jugement particulièrement pour Israël. Bien évidemment, ce sont des jugements. Nous sommes vraiment à la fin, mon frère. Oui, tout à fait. Que Dieu soit béni. Je voulais... Allô? Oui. Je voulais vous demander par rapport à Matthieu 24, 23, quand Jésus parle de... que quand on entendra dire que Jésus est là, n'y allez pas. Est-ce que ça correspond aussi à... est-ce que cette parole aussi est prophétique? Bien sûr, parce que quand l'Antichrist viendra, il viendra d'abord pour séduire Israël, dans un premier temps, parce qu'il sait que, d'après les prophéties bibliques, Yeshua va établir son gouvernement mondial, donc le royaume universel promis à David, à partir de Jérusalem. Et voilà pourquoi l'Antichrist voudra contrôler d'abord Israël, donc Jérusalem notamment, et donc il va chercher à séduire premièrement les Juifs, Israël. D'accord. Et voilà, donc c'est pour ça que Yeshua disait, quand vous entendrez parler de l'avènement du Mashiach quelque part, eh ben, n'y allez pas, faites attention. Tout à fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et merci. Puis, au revoir. Bon courage. Voilà, mes amis. Que Dieu soit béni, en tout cas. Et l'heure, voilà, c'est les minuit. Hein, il est minuit, donc je pense que nous pouvons facilement, grâce au Seigneur, faire une lecture prophétique hein, des événements que traversent les nations. Et toutes ces crises, tous ces morts, gratuitement. Et tout ce sang qui coule, toutes ces familles endeuillées. Et toutes ces mamans qui perdent leurs enfants, c'est dur. Tous ces hommes qui perdent leurs fils, leurs filles, qui se retrouvent désemparés. Et des jeunes qui meurent. Et ça fait mal. Et on voit bien que le monde va mal. Voilà. Donc, tous ces problèmes entre les peuples et toutes ces morts également dans les pays comme au Congo, RDC. Dans l'Est, comme on ne cesse de le dire, où il y a plus de 6 millions de morts, mes amis. Tout ça, des femmes violées, des enfants violés, et des populations entières, des villes entières, des quartiers entiers déplacés. Et c'est horrible ce qui se passe dans ce monde, mes amis. C'est la confusion, c'est la fin. C'est... Voilà. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Chauveur. Laurence de Chalon.
J'avais une question à poser par rapport à ce qui est, à la parole où j'étais en train d'essayer de retrouver le verset là où il est dit donc qu'il y a eu des ténèbres lorsque Christ a été crucifié de la sixième heure, de la troisième heure à la neuvième heure. Ok. Tu vas me rectifier. Parce que j'ai eu donc ce texte il y a quelque temps, et quand tu as parlé de ce qui allait se passer là avec la crise qui allait être dénoncée, immédiatement mon esprit a fait la liaison avec ces ténèbres qui sont tombées. Avec ces ténèbres lorsque Christ a été crucifié. Et je me demandais justement la relation qu'il pouvait y avoir dans le temps. C'est les 6 heures, je crois, justement, où les ténèbres sont tombées par rapport à cette crise. Parce que vraiment, mon esprit a tout de suite, je me suis tout de suite souvenue de ce que le Seigneur m'avait donné à lire. Lorsque tu as eu cette prophétie hier. Ok, ouais, donc c'est Luc, je vais le lire, Luc 44, voilà. Luc oui. 23, Luc chapitre 23, verset 44. Or, il était déjà environ la sixième heure. Or, il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Ouais. Voilà. 3 heures de ténèbres. Et oui, effectivement, parce que là, Ésaïe 60 nous dit que les ténèbres vont couvrir, hein, donc couvrent les nations. Et donc le royaume des ténèbres de l'homme impie, on le verra dans la suite de l'enseignement, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, que son royaume va être plongé comme en Égypte, hein, dans les ténèbres. Mais par contre, présentement, il y a ces ténèbres effectivement religieuses et particulièrement et qui couvrent les nations et toutes ces fusillades, ces attentats, ces chrétiens désemparés, ces pasteurs qui sont beaucoup plus attachés au bien de ce monde, à la richesse, à l'argent, à leur titre, tout ça, au lieu de prêcher aux hommes le retour du Seigneur et la Nouvelle Jérusalem, tout ça notamment, notre lieu définitif. Et bon, tout ça, c'est les ténèbres. Hein, donc toute la montée de l'islam, la montée la croissance, cette croissance exponentielle des troubles, du péché, du chômage, tout ça, des crises politico-économiques. Toutes ces choses, en fait, nous montrent que ce sont les ténèbres. C'est sûr que les gens ne savent plus dans quelle direction aller. Mais, comme tu le disais, dès que tu as eu cette prophétie-là, immédiatement, le Seigneur m'a fait la liaison avec ce qu'il m'avait donné de lire, donc sur sa crucifixion. Et j'ai dit donc, les ténèbres dont il m'a parlé, c'est cette crise qui va déterminer la mise en place du gouvernement mondial, qui va être des ténèbres vraiment, parce que là justement il était dit que ça allait être sur toute la terre il y a eu des ténèbres vraiment très, enfin c'était vraiment des ténèbres, il n'y avait pas de lumière du tout. Effectivement, non, c'est ça, mais en fait il faut comprendre aussi en même temps ici, quand il y a eu ces ténèbres là, c'était une convocation du Seigneur pour dépouiller en fait les esprits impurs, hein. Oui. Donc, mais effectivement, on voit effectivement, et on peut faire une comparaison, un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Effectivement, oui, il y a forcément un parallèle, oui, effectivement. Et je me demandais aussi s'il n'y avait pas une corrélation dans le temps. Bah, en tout cas, ça pouvait nous donner une idée de durée de cette justement, puisque le Seigneur nous dit de faire attention aux signes. Bah, en tout cas, il n'y avait pas un temps et la moitié d'un temps. Tu vois, je me demandais si justement aussi il fallait pas faire attention au fait que là, parce que c'est quand même bien spécifié qu'il y a eu des ténèbres pendant tant de temps.
Donc je me demandais aussi si pour nous, en tant que chrétiens, ce n'était pas un signe auquel il fallait aussi être attentif. En tout cas, ce qu'il faut comprendre quand on dit que les ténèbres ont duré 3 heures, donc en fait, c'est juste pour nous montrer que ces ténèbres ne vont pas durer éternellement. Tout à fait. Voilà, donc elles auront un début et une fin, quoi. Donc c'est juste, c'est une période, voilà, c'est bien déterminé, bien défini, juste par rapport à ça, pour avoir une idée, en fait. Donc pour aussi en même temps nous dire, nous rassurer que ben, le Seigneur est celui qui va régner éternellement, quoi. C'est la lumière qui va prédominer, qui va dominer, Alléluia. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Bon courage. Je te souhaite une très bonne fin de soirée. Et vraiment, tu nous as enrichis encore ce soir. Et je prie que beaucoup, beaucoup de païens soient attirés à écouter ce qui est prêché en ce moment pour qu'ils prennent réellement conscience que Jésus revient. Amen. En tout cas, merci. C'est ce que je crie autour de moi. Les gens commencent vraiment à me prendre pour une folle. Mais gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, nous avons été avertis. Amen. Merci. Au revoir. Voilà, mes amis, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. On va juste prendre encore un dernier coup de fil. Et si y a encore quelqu'un qui veut appeler à tout prix. Et puis après, on va clôturer parce que je sais que y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc il faut plusieurs jours. C'est pour cela qu'on va prendre le temps pour partager ces choses, vous montrer certaines images et, afin que vous saisissiez, vous compreniez qu'on est vraiment, vraiment, mes amis, arrivés à la fin d'une époque, d'une saison, et que bientôt on va passer à un autre temps. Et comme Paul le disait si bien dans Romains, c'est le temps de nous réveiller du sommeil, car le salut, c'est-à-dire Yeshua, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà, donc, et vous savez, disait-il, en quel temps nous sommes. Gloire à Dieu. Alors, je veux lire pour vous un passage dans Romains 13, 11. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Donc la nuit est avancée. Effectivement, nous sommes à minuit. Et le jour approche. Le jour, bien sûr, c'est le retour du Mashiach. Rejetons donc les œuvres des ténèbres. Les œuvres de ténèbres, donc le péché, pensées impures, racisme, tout ça, tribalisme, mensonge, et cupidité, murmure. Et voilà, perte de temps dans les en regardant des vidéos, des critiques, tout ça qui ne valent rien, qui ne nous enseigne pas, qui ne nous sanctifie pas, n'est-ce pas? Tout ça là, donc il faut rejeter toutes ces œuvres de ténèbres et nous devons revêtir des armes de lumière. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Chourin. Bonsoir. Voilà, c'est Nadia de Toulon, hein, dernière, donc là je commence à être habituée. Voilà, ben, la question c'est par rapport aux chevaux. Donc ces 4 chevaux, j'ai jamais compris, est-ce que c'est après l'ouverture du premier sceau ou est-ce que pas déjà? Bon, ça c'est ma première question. En fait, l'ouverture du premier sceau va libérer le premier cavalier, le premier cheval. D'accord. C'est l'homme impie. Donc là je viens de saisir. Mais ma deuxième question, est-ce qu'on peut considérer que, on va dire, je vais l'exprimer comme ça, les prémices de ces chevaux, de ce qu'ils vont faire, de comment ils vont agir, est-ce qu'on peut considérer que ça y est déjà? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une action déjà actuellement? Bien évidemment, Nadia, hein, tu sais. N'est-ce pas, hein? Bien évidemment, regarde. Pour davantage t'éclairer, bon, je ne voulais pas partager ça rapidement ce soir, mais je veux juste te lire quelque chose rapidement dans Apocalypse 6 pour nous montrer que les signes qui accompagnent ces cavaliers et ces chevaux se sont déjà accomplis et s'accomplissent encore aujourd'hui et parce que ces sceaux sont déjà ouverts depuis. Et nous sommes déjà, on attend juste la dernière trompette en fait. Donc
parce qu'après l'enseignement sur les sceaux, on va parler des trompettes. Et regardez dans Apocalypse chapitre 6, et le verset, comment dire, le verset 5. Là, voilà. Je vous laisse lire parce que j'ai pas ma Bible, je suis au travail. Ok. Alors, et quand il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait, viens et vois. Je regardais et je vis un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et les trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Donc, je vais plutôt lire le quatrième cavalier. Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens et vois. Et je regardais et je vis un cheval verdâtre. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et le Hadès l'accompagnait. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et, ces choses-là se sont déjà accomplies dans le passé et présentement aussi ça se manifeste. Et je crois que pendant l'ouverture le retentissement d'une trompette, pardon, parce que c'est ce que je voulais, voilà, ça me revient à l'esprit, ce que je voulais lire, par le retentissement d'une trompette, on apprend que il va y avoir, les gens vont mourir par la peste. D'accord. Or, en 1347, en 1347, au 14e siècle, la peste noire a tué plus de 30 millions d'Européens. Donc, on en parlera de tout ça. Donc, on montrera les images, tout ça. Okay. Donc, on voit bien que après les quatre sceaux, l'ouverture des quatre sceaux, là, nous sommes dans les trompettes et on nous apprend que il va y avoir des morts par la peste. Et il y a eu ça dans le passé. Donc, c'est pour cela que quand on étudie la prophétie biblique, quand on étudie l'Apocalypse, tout ça avec la grâce du Saint-Esprit, on comprend vraiment qu'on n'a plus de temps, que Yeshua est vraiment à la porte. Oui. Donc si j'ai bien compris, donc malgré que ces chevaux, l'Apocalypse nous précise qu'ils vont être libérés à l'ouverture du premier sceau, eh bien, comment dire, il y a déjà eu l'action, il y a l'action, il y aura l'action. Effectivement, en fait, les prophéties bibliques ont plusieurs accomplissements, en fait. C'est ça. Je l'ai compris avec vous depuis que je suis l'enseignement, j'ai compris qu'une prophétie peut avoir deux ou trois temps d'accomplissement. Bien sûr. Bien sûr, c'est un rouleau, hein. Ça se déroule à chaque fois, donc ça revient et puis ça repart et puis c'est oui. C'est comme un, voilà, ça fait une boucle, quoi. Donc faut vraiment suivre, hein, parce que quelquefois waouh. Voilà. merci Seigneur, parce que vraiment là on est heureux, on est bien, on est plusieurs et on s'exhorte vraiment entre nous et on réveille les uns les autres, parce que j'ai entendu la sœur avant moi qui disait vraiment que les païens se réveillent. Je dis amen, mais je dis aussi que le peuple de Dieu se réveille parce qu'il est endormi. Malheureusement, ouais, c'est triste, mais on prie, on croit que le Seigneur il va agir, il va tomber les écailles, et que vraiment le Seigneur a prévu les choses, quoi, a prévu ses serviteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous prépare pour son retour, là, donc que Dieu soit béni. Merci pour la réponse, hein, des chevaux, mais je vais continuer à creuser parce que j'ai compris, j'ai saisi, mais j'ai besoin encore de creuser. En fait, les chevaux, si tu lis Proverbe 21-31, on nous dit que le cheval, on va juste le lire rapidement, là, les amis, si on peut. 21-31, je vais le noter comme ça à la maison. On va aller voir Proverbe 21-31. On va le lire pour toi. On va le lire là. Merci.
Alors, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de Yahweh. Donc, on voit bien que ces chevaux, à chaque fois, ces cavaliers, sont équipés pour la bataille. C'est vraiment la guerre. Ils viennent livrer une guerre contre les saints. Ouais. Et c'est pour cela, dans Apocalypse 19, on nous dit que Yeshua, donc lors de ce retour visible avec l'Ecclésia, sera assis sur un cheval blanc. Et il viendra avec l'épée qui sortira de sa bouche pour frapper les nations. C'est pour cela que quand il est rentré dans Jérusalem lors de sa première venue, il était sur un âne. Et là, il n'était pas venu pour faire la guerre, il était venu pour sauver. Et alors que les gens s'attendaient à ce que le Messie vienne le libérer tout de suite des Romains, tout ça. Et là, il prend un animal qui n'avait rien à voir avec la guerre, avec le combat. Mais lors de sa seconde venue, quand il va faire son entrée dans Jérusalem terrestre, pour asseoir son gouvernement mondial, et bien là, il sera sur un cheval. Donc les chevaux, là, c'est vraiment le jugement, c'est vraiment de Dieu, donc c'est la guerre, c'est le combat, et c'est pour cela qu'il faut comprendre que, en fait, les sceaux sont déjà ouverts, et les trompettes ont déjà retenti, et nous attendons simplement la dernière trompette, qui va retentir bientôt, et puis on va partir après. L'enlèvement. Voilà. Amen. Amen. Et on attend, parce que vraiment. Hein. Mais Jora aussi, il y a deux trucs que je voudrais te dire. D'abord, je te le dis avec beaucoup d'humilité, parce que quand tu étais récemment au Gabon, que cette petite, elle a dit je t'aime, Jora, et qui était vraiment saisie par l'esprit. Hein. Ok. Tu te rappelles? Oui. Eh ben, parce que vraiment, j'avais eu une conversation avec des amis, tout ça, ils me disaient non, mais on peut pas, ceci, cela, patin, enfin, un tas de choses que c'est même pas la peine, tu connais bien, que t'es habitué. Et puis, bon, je disais, écoutez, si vous le voyez comme ça, il n'y a pas de souci, moi je le vois autrement. Si vous le supportez pas, moi je supporte, parce que je sais comment j'ai connu l'enseignement et comment ça m'a vraiment. Donner une grâce particulière, mais gloire à Dieu. Et c'est cette œuvre, elle est du Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Bref, et puis, en raccrochant, j'étais vraiment triste. Bon. J'étais triste par rapport à toi, notre frère, mais aussi par rapport au Seigneur qui nous ouvre une voie d'excellence, etc. Parce que je ne suis pas la seule à parler de TV de vie. Hein. Il y en a plein qui parlent de TV de vie. Et donc, et le Seigneur a consolé mon cœur. C'était vraiment pour moi, hein. À consoler mon cœur quand cette petite, elle était saisie. Et quand elle a dit ça, j'ai dit waouh, vraiment le Seigneur, il est puissant. On a des encouragements comme ça, heureusement. Ouais, heureusement. Il prend soin de nous, mais alors, même dans un petit détail comme ça, là, waouh, Amen. Mais amen, voilà, je le dis avec beaucoup d'humilité, vraiment pour t'encourager. Merci Seigneur. Ben, on est encouragé en tout cas, ma sœur, merci. Amen. Et autre chose, Shura, c'est il n'y a pas longtemps, j'ai découvert l'enseignement du tabernacle. Tu sais, quand tu as parlé du tabernacle, comment le Seigneur il a quitté donc son lieu saint et comment il est retourné en mettant la croix en place. Vraiment, il est juste vraiment, mais gloire à Dieu. Ça serait bien que tous les regardent et qu'ils puissent être touchés. Pas que regarder, pas que écouter cet enseignement, mais en être touché, parce que là, il y a une onction qui se dégage de là. Waouh, notre Seigneur bien-aimé, mais vraiment, il t'a inspiré pour que tu nous en parles de notre Yeshua bien-aimé. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. En tout cas, on l'aime. Et Amen, amen. On veut continuer à l'aimer. On l'aime, on l'adore, on le bénit. Amen. Waouh, on l'aime trop. Alléluia. Béni soit le Seigneur, mon frère. Que le Seigneur vous équipe, vous bénisse. On pense tout le temps à vous, que toute l'équipe qui t'accompagne, qu'elle soit bénie de l'Éternel, qu'elle soit bénie du Seigneur. Merci amen. Beaucoup, merci beaucoup. Soyez gardés, amen. Au merci, que Dieu soit béni. À bientôt, bonne soirée, au revoir. Au revoir, ouais, merci. Au revoir. Wow, Dieu
Dieu est grand, les amis, que Dieu soit béni en tout cas. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous, si Dieu le souhaite, peut-être demain soir, pourquoi pas, si Dieu le permet. Mais sinon, on va continuer cet enseignement pour vous encourager et vous fortifier, afin que l'œuvre du Seigneur soit, mes amis, faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, au nom de Yeshua. Et voilà. Que Dieu soit béni. Alors, on se voit bientôt. Au revoir.